Si aujourd'hui Fabienne Cara est plus heureuse que jamais, grâce notamment à sa fille Céleste, la jeune femme a vécu des moments difficiles, comme son divorce, sur lequel elle a fait de rares confidences. Je pense que je peux difficilement être plus heureuse qu'aujourd'hui, si est-il par ces tendres mots que Fabienne Cara évoque sa vie avec sa fille, Céleste. Pour autant, si aujourd'hui l'ex Samia de Plus Belle la Vie est une femme comblée, elle a rencontré de nombreux obstacles, notamment dans sa vie privée. Invité de notre podcast d'ombre et de lumière après Clémentine Célarié, Michael Mittelstadt, Bruno Solo et Cécile Bois, cette dernière s'est longuement confiée entre autres sur ses complexes, sur sa vie de maman solo, et sur son passé. Et ce avec une grande philosophie. Fabienne Cara, il y a des épreuves qu'on pense ne jamais surmonter. Ainsi, lorsque Fabienne Cara regarde dans le rétroviseur, cette dernière explique que les épreuves qu'elle a traversées ont fait celle qu'elle est aujourd'hui. Je me rends compte que même si la vie n'a pas toujours été tendre, dans la forme parce que je n'ai pas vécu de drame non plus, j'ai toujours été consciente que c'était des cadeaux pour m'endurcir. Et de confier, quand j'ai des grosses galères, j'ai un réflexe de lever les yeux au ciel et dire merci mon Dieu de m'infliger ça, ça m'endurcit, ça forme ma carapace, ça me permet d'être plus forte et plus aguerrie pour avancer. Un mantra qu'elle a acquis au fil des ans. Il y a parfois eu des épreuves très difficiles, et on a l'impression qu'on va pas les surmonter. Nous glisse-t-elle l'occasion de se confier comme rarement sur sa séparation d'avec son mari. En 2020, les rares confidences de Fabienne Cara sur son divorce. Après mon divorce, j'avais la sensation d'être un roseau qui plie mais qui ne casse pas, ou d'être un punching ball qui prend des coups mais qui se relève à chaque fois, nous explique-t-elle. J'avais cette sensation et je me suis dit à quel moment ça va s'arrêter en fait? À quel moment je vais arrêter de prendre des coups? Une période difficile qui est aujourd'hui derrière elle. Si elle n'est plus en couple avec Alain Attard, un ancien participant de Marié au premier regard, elle nous confie être une femme comblée. Ce, même si professionnellement son vœu le plus cher reste à être exaucé, le Graal du Graal, ça serait d'avoir un rôle important au cinéma, avoue-t-elle. Qui sait, l'avenir lui réserve peut-être cette belle surprise. Step up.